Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise, direction Nord Kivu, où Edith Tiala nous signale que toute l'aide du gouvernement a été apportée aux victimes du naufrage. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire a procédé hier à la remise de frais funéraires aux 11 familles des Goma. C'est du Sud Kivu, le gouverneur se chargera de les faire. Suivez. C'est fait. Les familles des corps repêchés après le naufrage du 3 octobre dernier vont enterrer dignement les leurs. Les familles de Goma étaient en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, à côté du vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekuka. Au sortir de la rencontre, l'élu de Goma remercie le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles éprouvées. La phase que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, c'est la phase de la solidarité nationale du gouvernement vis-à-vis des victimes. Et toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres qui sont morts seront assistés au niveau de Bukavu, de la province du sud de Kivu. Le gouvernement de la République s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac, mais ce n'est pas une mince affaire. Le drone a repéré l'épave à 500 mètres de la côte et pour une profondeur de 200 mètres. Nous continuons les recherches, mais vous savez qu'il y a une couche de gaz à partir de 12 mètres, 15 mètres. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait le tour d'horizon de sa présence. Cette fois au Nord Kivu, tout de suite après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Keshero pour toutes les formalités administratives des rescapés qui, pour certains, doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle de la situation des rescapés. La République a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois de plus aux populations qui voyagent d'être très exigeants sur les mesures de sécurité. La République démocratique du Congo vient d'être élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027 à la 6e place. Cette place très attendue tant par les gouvernements de la République que par la population va permettre davantage au pays de faire entendre sa voix sur la scène internationale. D'ailleurs, toute la presse de ce matin en parle. Suivant à présent la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demasou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Pour le mandat 2025-2027, la RDC, élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, annonce la prospérité. La République démocratique du Congo a été élue mercredi 9 octobre 2024 en tant que membre du Conseil des droits de l'homme. Cette élection s'est déroulée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où la RD Congo a obtenu 172 voix sur 190 votants, témoignant un large soutien de la communauté internationale. L'élection est un événement marquant pour le pays qui rejoint ainsi d'autres pays tels que le Bénin, la Gambie, le Kenya et l'Éthiopie. La RDC renforce sa voix internationale avec son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, titre pour sa part Info27.cd. Pour le quotidien, la RDC a franchi une étape majeure en étant élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette victoire ne représente pas non seulement une reconnaissance sur la scène internationale, mais ouvre la voie à une opportunité sans précédent pour le pays de défendre ses droits ainsi que ceux de ses citoyens. Après plus de 7 ans d'absence, la RDC intègre le Conseil des droits de l'homme, renchérit de son côté Forum des As. La RD Congo fait ainsi son retour au Conseil des droits de l'homme après y avoir été élue en 2017. Elle avait déjà occupé cette fonction par le passé. Elle a l'intention de travailler à la revitalisation de la Charte des Nations Unies entre 1982, 1983 et 1990-1991, des périodes marquées par des efforts pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique.
Malgré les actions de la société civile et de l'opposition, la RD Congo, élue membre du Conseil des droits de l'homme, renseigne MediaCongo.net. Bien avant cette élection, écrit le confrère, les langues s'étaient déliées au niveau de la société civile et de l'opposition contre la candidature de la RDC. Certains opposants en exil avaient fait le déplacement de Genève pour le rejet de la candidature du pays de Lumumba. Le journal rappelle que sous Kabila, la RDC avait été élue au Conseil des droits de l'homme. Le Rwanda ne donne aucune garantie de réussite du processus de Luanda. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a stigmatisé à la session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici un extrait de son discours. Le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements, avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. La République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Et en sport, on nous signale que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Taifa Stars de la Tanzanie cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte pour les comptes de la troisième journée. Bien avant cette rencontre, le désentraîneur était face à la presse hier pour une conférence d'avant-match. Jason Mayele a signé ce reportage. Reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc il nous faudra être bon pour remporter le match. Ben Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il y a un programme athlétique, bien sûr. Donc tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Chioso qui en construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'un an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de sélectionner sur ce groupe. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous auriez pu citer Fiston Mayele et également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez. On ne va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Pour souligner aussi que ce soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et un but encaissé, donc 3 victoires et un nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Restons toujours en sport pour parler des obsèques de Jean-Jacques Mutombo Dikembe qui sera inhumé ce week-end aux États-Unis d'Amérique où il a rendu l'âme à 58 ans d'âge le lundi 30 septembre dernier. À Kinshasa, les ministres de sport et loisirs Didier Boudimbou s'investit dans le préparatif de ses obsèques. Suivez.
La famille de l'ancienne gloire de la NBA, qui fait partie de la délégation officielle du gouvernement congolais qui se rendra aux États-Unis d'Amérique pour ses funérailles, a été reçue mardi par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boutimbou, qui a tenu à la rassurer sur la ferme volonté et détermination du gouvernement de la République à rendre des hommages dignes de son rang à celui qui a longtemps inspiré la jeunesse congolaise et mondiale à travers sa riche carrière de basketteur de renommée international et ses multiples œuvres philanthropiques accomplies par le biais de sa fondation. Ainsi, une veillée mortuaire sera organisée à Kinshasa le vendredi 11, au cours de laquelle sera exposé un livre d'or pour recueillir les témoignages de ceux qui auront vécu de leurs propres yeux le phénomène Mutombo Dikembe, ancienne célébrité du basket mondial. Maître Didier Boutimbou a également rappelé l'engagement de l'État congolais à immortaliser la mémoire de cette légende à travers un des stadiums de basketball construit au Stade des Martyrs qui sera baptisé au nom de Mutombo Dikembe. Il sera également décoré à titre posthume par la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, continue avec sa mission d'itinérance sécuritaire. Il est arrivé à Bouta, dans la province du Haut-Ouélé. Sur place, il a eu des échanges avec les autorités militaires et civiles sur la situation sécuritaire dans la province. Suivez. Poursuivant son itinérance dans la Grande Orientale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Dikabombo Modianvita, est arrivé ce mardi à Bouta, dans la province de Bazuélé. Atterri à l'aéroport de Zega, le patron de la Défense nationale a été accueilli par le gouverneur de province, Mike David Mokeni, ainsi que d'autres notabilités venues honorer sa première visite. Face aux incursions répétitives des rebelles étrangers dues à la porosité des frontières avec l'Ouganda, le Centrafrique et le Sud-Soudan, le patron de la Défense nationale a tenu un comité provincial de sécurité en présence de différents acteurs de l'appareil sécuritaire de la province ainsi que des élus nationaux. Bouta a une préoccupation phare, celle d'installer une base militaire. S'imprégner des réalités du terrain, le patron de la Défense nationale, Dikabombo Modianvita, a visité les travaux de l'état-major, les conditions de vie et sanitaire des militaires du camp Barras ainsi que d'autres infrastructures militaires. Dans le souci de répondre de manière efficace aux problèmes de l'insécurité grandissante dans cette partie de la Grande Orientale, le numéro 1 de la Défense nationale accordera quelques audiences aux députés nationaux et provinciaux, à la représentation des partis politiques, aux autorités coutumières et aux différents responsables de la société civile. Le commandant du service national a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un lot important de meubles fabriqués manuellement par des ex-combattants, par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs pour équiper 11 maisons communales de la ville de Kinshasa. Bobo Mokonsi. Le bâtisseur de la nation, c'est comme ça qu'on les appelle désormais. Ces jeunes autrefois Kuluna ne cessent d'étonner plus d'un Congolais à travers leurs œuvres. Après les dons de bancs dans certaines écoles de la République, c'est désormais ex-Kuluna sous la direction du service national équipe quelques maisons communales de la capitale de meubles et de bureaux. Au total, 15 communes ont été concernées pour la première livraison de ces matériels. Ils s'attendaient à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes. Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Une action qui loue le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani, qui la classe dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par l'exécutif national dirigé par la première ministre, Judith Suminwa. Nous sommes ici ce jour réunis dans cette cour parce qu'il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile à notre société.
Ces lots composés de chaises, tables, armoires et fauteuils, fruits d'un travail acharné de ces ex-combattants par le service national que dirige des mains de maître, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a été réceptionné par le vice-président de l'intérieur des décentralisations et affaires coutumières Jetme Chabani, qui à son tour l'a remis au dirigeant de la ville-province Kinshasa, tout à l'heure à une bonne distribution et une bonne utilisation. Les réformes ont été avec succès au sein de l'administration publique. Une délégation de la Banque mondiale a été reçue par le vice-ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kiloso. La Banque mondiale a présenté son satisfaction au gouvernement congolais par le du ministère de la fonction publique pour le progrès significatif accompli dans le cadre des opérations d'identification biométrique des agents publics de l'État implémentées par le ministère de la fonction publique en vue de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Telles sont les déclarations du directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, pour l'Angola, Burundi, RDC et Sao Tome en marge de la réunion tenue avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avec la délégation de la Banque mondiale le lundi 7 octobre 2024. Nous avons pu adresser nos félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique, pour cette énorme qui clairement marque une trajectoire différente. Dans le passé, la Banque mondiale a soutenu des projets de réforme de la fonction publique qui n'ont pas marché. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui qu'il y a des progrès significatifs et nous sommes heureux de continuer à supporter cela. Nous avons également discuté dans le même cadre de la nécessité d'une nouvelle politique salariale qui a été exigée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous avons exploré comment la Banque mondiale peut supporter ce travail. Louons les avancées réalisées au niveau de la fonction publique. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner l'élan des réformes entamées qui marquent une trajectoire différente pour l'établissement d'une administration au rendez-vous du rendement. Les résultats que nous voyons nous encourage à continuer à supporter les efforts de tout ce gouvernement et du ministère des Fonds publics pour avoir une administration saine, une administration efficace. Matérialisant la vision du chef de l'État visant le redressement et la modernisation de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou fait bouger les lignes avec l'opérationnalisation de l'identification biométrique en vue de la maîtrise des effectifs qui se trouve au carrefour de toutes les actions réformatrices et transformatrices de l'administration publique. Reprise des travaux de construction du mémorial de victimes de la guerre à Kisangani, les nouveaux coordonnateurs du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo a inspecté les 10 travaux. Suivez. Suspendu pendant un moment, les travaux du mémorial des victimes des guerres reprend du Pal de la Bête. Pour se rendre compte de cette reprise, Chansar Bolukola, coordonnateur ad interim du Frivao, se rend sur le lieu. Et nous sommes là aujourd'hui pour relancer les travaux, parce que ces travaux sont financés en 3 tranches. Il y a eu la première tranche qui a représenté les 30% et les rapports étaient largement satisfaisants. Et c'est ce qui nous a poussé à relancer, soit à verser la deuxième tranche de prise hier. Et nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous allons nous assurer bel et bien de l'effectivité des travaux. Sur place, de fond en comble, le coordonnateur du Frivao pose des questions et reçoit des explications claires de la part de l'ingénieur Emery Kéoumba, commis à ses travaux. L'image à grand format, c'est les grands mausolées. Le grand mausolée où on va aménager le musée pour l'historique maintenant de la guerre des six jours. Donc on a fait ce projet à 3 faces. Il y a un mausolée, il y aura l'aménagement du cimetière avec les tombes ordinaires. Et maintenant il y aura l'histoire de la guerre avec 3 fosses communes. Le mémorial des victimes des guerres est construit à Kisangani pour se rappeler de ces populations innocentes tombées lors des guerres d'un, de 3 et de 6 jours. Ainsi, il comprendra plusieurs compartiments, notamment un mausolée et autres lieux de recueillement, a laissé entendre le coordonnateur AI du Frivao après avoir passé à la Robank pour constater la poursuite normale du processus d'indemnisation des victimes. Quelques gouvernements centraux sur les
pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de la rocade de la ville de Kinshasa. Cette route de contournement va désengorger Kinshasa Est et Kinshasa Ouest pour la mobilité des populations kinoises Nanumba. S'assurer et vérifier la qualité de l'exécution des travaux qui sont suivis de près par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel est l'objectif de la descente effectuée par le ministre sectoriel, notamment celui des ITPR Alexis Guizaro, de l'aménagement du territoire Guimboyo Luando, de l'urbanisme et habitat Crispin Badi. Ces travaux de construction des rocades Kin Est et Kin Ouest, le maître délégué de l'ouvrage, l'Agence nationale des grands travaux, ACGT, assuré par le bureau technique de contrôle BTC, longueur de 63 km. Cette route partira de la cité de Mboudi en passant par l'ancienne route des caravanes et traversant les quartiers Mitendi, Jolicite, Bralima, Rifla, Rai, Njili, Brasserie, Maf, Bouma, Njoko, avant de déboucher sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international d'Njili. Le membre du gouvernement sectoriel central ont mis en place une commission interministérielle chargée de supervision des travaux de la rocade Kinshasa et assure que les normes urbanistiques, techniques, environnementales et sociales sont strictement respectées tout au long de ces projets. Le gouvernement central a opté pour une approche novatrice en intégrant de ces grands ouvrages infrastructurels et une autre visite d'inspection de membres du gouvernement sectoriel se fera dans 3 mois pour l'évaluation de ces travaux. La Banque africaine du développement accompagne le gouvernement congolais dans l'atteinte du développement durable. Nouveau plan d'engagement pour le développement durable et inclusif 2024-2028 a fait l'objet des journées portes ouvertes organisées à Kinshasa. Yvette Makuntima. 2024-2028, le plan d'engagement pour le développement durable et inclusif a été approuvé par la Banque africaine de développement BAD avec les organisations de la société civile. Au cours de ces journées portes ouvertes, la BAD met en lumière sa conviction que les organisations de la société civile sont des partenaires incontournables dans son agenda de développement. Solomane Kone, directeur général adjoint responsable pays du bureau BAD en RDC, reste convaincu du rôle crucial de la société civile dans le développement. Il a même été recommandé d'avoir un mécanisme de concertation plus régulier avec les organisations de la société. Civile. La problématique du renforcement de capacités des organisations de la société civile pour toujours continuer à nous améliorer et à servir mieux nos clients. Robert Mabala Kasungu, président des plateformes nationales d'ONG d'Afrique centrale, répond Gank, se félicite de ces journées portes ouvertes. Le principal souci, c'est l'amélioration des interventions de la banque pour les résultats et les impacts de qualité, afin que les communautés congolaises palpent des développements réels, inclusifs et durables. Les plans stratégiques 2024-2028 reposent sur 3 piliers que sont créer un environnement favorable pour une implication efficace des organisations de la société civile, intégrer pleinement l'engagement avec la société civile dans nos politiques et projets et promouvoir la production des connaissances ainsi que les dialogues autour des politiques. Lancement hier du conseil qui regroupe les étudiants de la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN et quelques structures qui ont pour objectif de préserver l'environnement et les êtres humains. Jemima Mogo. Club Vert, une initiative des étudiants des sciences agronomiques de l'UNIKIN. Elle a pour objectif la protection de l'environnement et des êtres humains. Cette organisation s'emploie à sensibiliser les maraîchers et d'autres acteurs impliqués dans la question relative aux méfaits de l'usage des pesticides chimiques dans l'agriculture. Une belle initiative. Et maintenant, le monde est considéré comme notre partenaire qui nous assiste pour de telles activités.
Et le plus grand message est que j'aurais souhaité à ce que le médecin du monde ne cesse pas de financer de telles initiatives qui permettent aux étudiants d'avoir des connaissances pratiques sur les bonnes pratiques agroécologiques pour assurer bien évidemment la protection de l'environnement et créer un équilibre entre l'environnement et l'être humain. Cette organisation a bénéficié de l'accompagnement des médecins du monde. Le coordonnateur du programme des médecins du monde, Patrick Moussala, salue cette initiative. Médecins du monde est convaincu de bien fonder et de bien faire de cette approche. Donc nous allons donc nous appuyer sur le club pour diffuser davantage les belles idées de l'approche agroécologique. Je voudrais insister que ce sont les membres du club qui auront vraiment la mise en œuvre des activités. Médecins du monde vient en appui. Et ce que les membres du club vont faire, c'est la mise en œuvre de leur plan d'action. Après l'installation, des membres devront conduire le club vert. Plusieurs activités de réflexion, de sensibilisation et de formation seront organisées pour concrétiser les idées autour du développement de l'agroécologie. La Fondation Marc Kassalou Tshisekedi a fait un don de forage d'eau à l'hôpital de référence de Sendoué à Kamalondo. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Suivez. Très proche, deux puits forêts seront opérationnels à l'hôpital général de référence des zones Sendoué. Les travaux ont débuté officiellement ce mardi 8 octobre 2024 sous l'œil vigilant du directeur général de cet hôpital, le docteur Foreman Mabala. Le projet lui-même est appuyé par Maman Marthe Kassalou, présidente nationale de l'association Femmes et Promotion, représentée en province par une forte délégation. Je tiens à remercier spécialement la très respectueuse mère, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, notre présidente nationale, donc la présidente de l'AFEPRO, association Femmes et Promotion, qui, lorsqu'elle a été au courant que non, il y avait des difficultés en ce qui concerne l'eau ici à l'hôpital de référence à zone Sendoué, elle nous a vite dépêchés afin que nous puissions venir s'enquérir de la situation. Pour sa part, le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendoué, a remercié Maman Marthe Kassalou pour son implication afin que cette infrastructure sanitaire aille de l'eau potable. Nous avons remercié très chaleureusement notre maman, Maman Marthe Kassalou, à qui il a fallu juste un coup de fil pour lui montrer les difficultés que nous connaissons ici à l'hôpital Sendoué. Sans hésiter, elle nous a autorisé, elle a autorisé des partenaires pour venir nous assister. Et nous disons merci aussi à FEMACO qui s'est décidé de nous prêter main forte et de nous accompagner dans ces grands défis, dans ces grands challenges qui doivent relever cet hôpital. L'objectif ici est d'offrir localement des soins de qualité et cela grâce à l'implication des autorités du secteur. Le barreau du Haut-Ouélé vient d'organiser une assemblée générale élective à Issirou. Maître Kagoma Jean-Paul, le nouveau bâtonnier, promet de travailler dans une franche collaboration. 50, 51. Un nouveau vent vient d'essouffler au barreau du Haut-Ouélé. C'est l'élection du maître Kagoma Musondoli à Jean-Paul à la tête de ces barreaux organisés par les conseils de l'ordre. Candidat unique qu'il était sur un total de 57 électeurs, maître Kagoma Musondoli à Jean-Paul est élu à la majorité absolue au premier degré avec 35 voix. Ce nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats promet d'achever. Les travaux est déjà commencé par son prédécesseur Jean Bakomito, aujourd'hui gouverneur de province. Je viens pour achever le mandat de M. le bâtonnier Bakomito, parce que seul on ne sait pas réussir. Je dois avoir l'accompagnement de tous les avocats, mais aussi du politique. Les policiers doivent aussi nous aider pour que nous puissions évoluer et aller de l'avant. Par la même occasion, 6 autres membres ont été élus pour compléter le reste des postes. Maître Bismik Boele et Floribert Siouka se félicitent du déroulement de l'élection et prodiguent des sages conseils aux bâtonniers. C'était un jeu démocratique. Ils ont été élus. Pour nous, les avocats, nous pensons qu'ils ont requis les conditions favorables pour faire émerger notre barreau. Nous allons demander au nouveau bâtonnier et tous les autres membres, les 6 qui se sont rajoutés dans les conseils de l'ordre, de pouvoir être disponibles et servir notre jeune barreau du Haut-Ouélé. Signalons qu'auparavant, une soixantaine d'avocats stagiaires ont prêté serment et une dizaine inscrits au tableau du barreau du Haut-Ouélé ont renouvelé leur serment.
La société civile à travers la commission d'éducation civique et observation électorale vient de présenter son rapport synthèse finale du processus électoral avant, pendant et après les scrutins de 2023. Rodépanda. La commission d'éducation civique et d'observation électorale est du ciel avec 30 plateformes et réseaux ainsi que plus de 300 organisations intéressées aux élections et l'une des parties prenantes avec mandat de participer à la surveillance des scrutins de 2023. Les rapports synthèse finale présentés le mercredi 9 octobre par ces cadres des concertations officiel et permanent, et reprend les forces et faiblesses du processus électoral avant, pendant et après les élections. Le respect de la périodicité électorale. Des recommandations ont été formulées, notamment au Parlement. De procéder sans complaisance à la réforme profonde de toute la législation relative à l'organisation des élections en RDC. Au gouvernement, d'apprêter les moyens nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser l'enrôlement et les élections des députés nationaux, provinciaux et municipaux dans les provinces sous état de siège. À la CENI, d'organiser urgentement les élections indirectes des bourgmestres et leurs adjoints, doter les communes des organes délibérants. Éduquer leurs militants à la culture démocratique et à l'adhérence des opinions des adversaires politiques. À la société civile, d'accompagner les institutions démocratiques mises en place dans l'accomplissement de leurs missions. Dans un esprit patriotique, le DCL exhorte tout le monde au respect des valeurs morales et des règles si l'on veut asseoir réellement la démocratie en RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Keninambo, réalisé par Rodé Panda et Papi Guinamaou. Nerio Lemo et Gabi Kunga ont assuré la partie technique. 19h, retrouvez Lucie Lavi Tissenda. Mais dans l'entretemps, le rendez-vous est pris pour 17h avec le match RDC-Tanzanie. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la RTNC. Au revoir.